Bienvenue sur le tout premier épisode du Fils Moto Boy Podcast. Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver sur ce tout premier épisode du Swiss Moto Boy Podcast. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu de ce que je vais mettre en place avec ce podcast, que je souhaite mettre en place avec ce podcast. Je vous avertis tout de suite, je suis un tout petit peu excité pour ce premier podcast, parce que c'est vrai que je découvre presque en même temps que je le fais. Je me suis entraîné un petit peu avant, mais je le découvre que ma table de mix a plein de petites options sympatoches. Et donc, il suffit que j'ai à vous dire quelque chose, une grande révélation. Par exemple, le feu, ça brûle. Merci, merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Merci. Et j'ai tout de suite une foule énorme qui m'applaudit. Et ça, c'est un kiff. Mais voilà, en fait, je suis en train d'apprendre à manipuler tout ça. C'est clairement excellent et je me sens extrêmement bien. J'ai presque l'impression d'être à la radio en train de vous parler. C'est vraiment beaucoup trop cool. Aujourd'hui, c'est un podcast tout simple d'ouverture, simplement pour vous expliquer qu'est-ce que je souhaite faire dans cette série de podcasts à l'avenir. Et j'espère que ce sera une série qui durera très longtemps. Pour vous présenter un petit peu mon idée derrière ce podcast... Pour ceux qui suivent sur ma chaîne YouTube, vous le savez, mon but c'est de sortir une vidéo toutes les deux semaines. Et j'ai pas mal d'idées de vidéos, mais bon, principalement des tests de moto, mais j'ai pas mal d'idées de vidéos. Mais certaines, bah voilà, malheureusement, je me vois pas en faire vraiment une vidéo parce que je trouve qu'en termes de contenu visuel, ça n'apporte pas spécialement quelque chose. Et donc, je préfère ne pas les faire parce que, ben voilà, mettre juste genre une diaporama de photos, c'est, voilà, c'est pas incroyable. Surtout que j'ai des petites histoires à vous raconter, des infos potentiellement à vous donner. Moi qui ai maintenant l'habitude de presque tout filmer ce que je fais, si t'as pas filmé sur le moment, ouais ben voilà, hein, c'est dommage, mais tu te retrouves à devoir improviser avec des photos trouvées sur le net et tout. C'est pas incroyable, je vais pas vous mentir. Donc c'est pour ça que je mets en place ce podcast pour me permettre de vous communiquer encore d'une autre façon ma passion de la moto. Les sujets que je souhaiterais aborder dans ce podcast, c'est déjà de parler des nouvelles motos qui vont sortir à l'avenir, de pouvoir vous parler aussi un petit peu de mes tests moto que je vais faire prochainement, ou plutôt en disant prochainement, début d'année prochaine, mais aussi de pouvoir vous parler de sujets qui me tiennent à cœur. Ça peut être différentes choses, que ce soit en lien avec la protection, mais aussi peut-être des choses qui pourraient faire un petit peu polémique dans notre jolie communauté des motards. Alors je vais pas vous en parler plus maintenant, mais j'ai une petite idée à la tête et j'aimerais bien la mettre en place, et pourquoi pas la mettre en place seulement via ce podcast. Ensuite, si j'arrive à trouver ou à recevoir des informations utiles à droite à gauche en lien avec la moto, ce serait parfait aussi pour vous les communiquer comme ça. Et ensuite, ça ce serait mon petit plus qui me ferait vraiment kiffer, c'est de pouvoir en inviter certains d'entre vous qui auraient des histoires sympas à raconter, alors que ce soit des story time, des histoires de road trip, des histoires drôles en lien avec la moto, ou même des mésaventures. Toutes ces histoires, moi, ça me passionnerait de vous entendre dessus. Je pense qu'on a tous déjà vécu des choses plus ou moins drôles et plus ou moins des mésaventures, en fonction aussi de la depuis quand on roule. Mais voilà, moi qui ai maintenant environ 6 ans de moto derrière moi, j'ai déjà quelques sales histoires à vous raconter. Donc, je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Je vous invite déjà tout de suite dans ce premier podcast, que ce soit dans les commentaires sur YouTube, ou à venir vers moi sur Instagram, à venir me parler pour voir, me dire quelle serait votre histoire et voir si on peut mettre en place un petit podcast avec vous pour que vous puissiez nous raconter ça. En tout cas, voilà, ça c'est vraiment le principal de ce que j'ai envie d'amener avec ce podcast. Ensuite, j'aimerais aussi pouvoir vous transmettre un petit peu les news qui ont lien avec ma chaîne, mes réseaux. Voilà, que ce soit que la semaine prochaine, il y a un nouveau test moto, que j'ai prévu d'aller faire un road trip, que je prévois de faire une activité. Parce que voilà, pour vous donner un petit exemple, je souhaiterais, c'est quelque chose qui est en train de mûrir, mais je souhaiterais par exemple mettre en place une balade en début d'année prochaine, donc en début de saison, pour dire plus clairement. Donc pourquoi pas fin mars, début avril, quand vraiment les beaux jours sont nouveaux là et sont en train d'arriver.
de me faire une sortie avec vous, ceux qui seraient intéressés, et faire une sortie de début de saison, d'ouverture de saison, pour se remettre gentiment à la moto, une balade tranquille, avec peut-être petit pique-nique, je sais pas, voilà, ce serait l'idée. Il faut que je regarde aussi un petit peu avec mes amis pour... moi, j'aimerais bien qu'on puisse vraiment faire quelque chose de propre et que ce soit pas juste, oui, on va tous dans cette direction, essayer de suivre plus ou moins, mais que ce soit quelque chose d'encadré où il y aurait parmi mes amis qui m'aideraient à faire l'encadrement afin qu'on puisse partir tous du même endroit, arriver tous au même endroit et que personne ne se perde, qu'il n'y a pas de... Voilà, que même peut-être les personnes qui ont un peu plus de peine encore à rouler, qui sont plus des débutants, puissent aussi venir et s'amuser avec nous. C'est des petites organisations comme ça. J'y réfléchis, j'y travaille pas encore, mais j'y réfléchis. On verra bien. Et peut, potentiellement, si ça vous plaît, organiser quelques comme ça balades durant l'été, voire une balade de fin de saison de moto. Ça pourrait aussi être cool avant que tout le monde commence gentiment à ranger les bêtes. Au niveau de la disponibilité du podcast, alors où pourrez-vous trouver ce podcast? Alors pour le début... Et ça, c'est vraiment une question de me simplifier la vie et de pouvoir commencer rapidement à vous amener ce podcast et à pouvoir m'améliorer et travailler dessus. Je vais simplement le sortir sur YouTube. Mais j'aimerais bien pouvoir réussir à toucher la plupart des grandes plateformes de podcast. À voir, parce que je me suis déjà renseigné un petit peu. Et disons, on ne peut pas juste se pointer et dire « Ouais, je vous poste ça là. » Et puis bon, si personne ne l'entend, tant pis. Mais je vous le poste là. C'est par exemple, Spotify ou Deezer, ils te demandent de remplir un formulaire de demande. Ce qui sous-entend pour moi que si tu dois faire une demande, c'est aussi qu'on peut te refuser. Donc voilà, à voir, je vais regarder, je vais essayer avec le temps de faire, je vais pas me stresser non plus là-dessus. Ce qui est certain, c'est que tous les podcasts qui viendraient à être sortis avant l'arrivée d'une plateforme seront bien entendu aussi postés sur la plateforme afin que vraiment, peu importe sur quelle plateforme vous tombiez sur ces podcasts, vous ayez l'entièreté du contenu, même si il y a certaines plateformes qui se libéreront un peu plus tard. L'idée serait d'en sortir un tous les mercredis entre les vidéos, ce qui voudrait dire que j'aurai du contenu sur ma chaîne YouTube toutes les semaines. C'est à voir, peut-être que j'arrive à me motiver à en faire plus, peut-être j'en fais moins, peut-être qu'il y aura de temps en temps un épisode de plus une semaine. Ce podcast sortira exceptionnellement lundi. Pourquoi ça? Je souhaite tout de suite vous parler de la prochaine vidéo qui sort, et surtout j'ai envie de me lancer au plus vite dans ces histoires de podcast. Et donc là, voilà, je bombarde. Je ne vais pas attendre encore une semaine. La prochaine vidéo qui sort sera donc une vidéo sur ma Ninja 300. J'y ai fait quelques petites modifications. Je pense que c'est que le début, mais on va quand même y aller mollo sur les dépenses. Au niveau de la durée du podcast, il faut vous attendre en fait à ne pas avoir de durée précise. Je ne vais pas me forcer à faire un podcast d'une heure ou de faire un podcast de 10 minutes pour faire un podcast de 10 minutes. Voilà, c'est en fonction de ce que j'ai à vous dire, ce que j'ai à vous raconter. J'espère qu'un jour, je pourrai vous sortir un podcast d'une heure qui soit ultra complet avec plein d'informations, plein d'histoires, plein de choses. Et que aujourd'hui, là où j'ai vraiment, c'est un podcast d'entrée en jeu, il fera beaucoup moins long. L'idée, c'est d'être dans le plaisir, que vous puissiez l'écouter en faisant quelque chose d'autre, simplement vous profitez de ma voix suave. Oh, je me fatigue. Enfin voilà. J'espère que ce tout premier podcast vous aura plu. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à liker, à commenter et à partager ce contenu. Et puis sur ce, je vous dis ciao. J'en fais trop. J'ai pas chanté. Bon allez, tout bon les amis, à la prochaine. Allez, ciao.